quand je parle de mutinerie à mes proches, à mon entourage, je parle d'un espace un peu hors du temps, d'un lieu où règne l'entraide, le partage, la bonne humeur, où on cultive notre nourriture, où on s'occupe de nos animaux. J'en parle comme d'un petit paradis hors du temps et hors du monde. C'est comme ça que j'en parle. Mutineer Village, c'est un espace de vie communautaire situé en plein cœur de la campagne percheronne. Du coup, c'est un grand corps de ferme avec plusieurs maisons où plusieurs résidents vivent là de manière plus ou moins temporaire. Moi, je suis là depuis 10 ans, par exemple. Marine et Joachim sont là depuis 2 ans. La mutinerie nous propose des résidences vertes. Ils en proposent 3 ou 4 par an. Et donc, ça permet à des gens de venir s'installer au vert, dans ce bel environnement, pour des sessions de 3 mois. Alors moi, je dirais que ma semaine, elle est divisée en 2 parties. J'ai une partie à Paris où je travaille donc au siège social en présentiel. Puis le reste de mes journées, je suis ici. Donc les jours de semaine, plutôt dédiés à mon travail. Souvent avec une petite balade dans le coin parce que la nature est magnifique en fin de journée. Et puis le week-end, il y a beaucoup d'activités collectives que l'on fait ensemble. Donc l'entretien du potager, des animaux, des dîners, des soirées. Voilà. Et pour ces semis-là, ils n'ont pas de récupérateur d'eau. Tu peux arroser directement. C'était un peu inconnu pour moi de savoir est-ce que ça va bien se passer, justement, le collectif, vu qu'on est plusieurs d'horizons complètement différents. Et en fait, au final, c'était ça qui m'intéressait le plus. Et au final, c'est ça qui m'a vraiment nourri. Alors, j'ai choisi de rejoindre Mutinerie Village parce que j'avais envie d'un lieu un peu où on vit en communauté pour une durée assez courte. Je voulais apprendre la permaculture. Et en fait, vivre un peu entouré de nature et pas passer ma vie devant mon ordi, faire des choses un peu plus manuelles. J'aime beaucoup, moi je suis assez habituée à vivre en collectif, j'ai toujours habité en coloc. Et ouais, j'aime bien apprendre des autres, j'aime bien rentrer chez moi et qu'il y ait toujours un peu du monde, que ce soit un lieu de passage. Donc moi j'adore, je pense que tout le monde n'est pas fait pour, mais moi ça me plaît beaucoup.